Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, pour la présentation de ma banque de sons ABC du beatmaking volume 1. Donc, c'est une banque de sons qui va être en téléchargement libre. Le lien est directement sous la vidéo et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là, je suis dans MPC Software. La banque est déjà installée. Mais dans MPC Essentiel, si vous voulez l'installer, il vous suffit tout simplement de télécharger le fichier. Donc c'est un fichier, un dossier Google Drive. Il faut télécharger tout le dossier parce qu'à l'intérieur, il y a encore différents petits dossiers avec les programmes samples dedans. Et une fois que vous avez téléchargé ABC du Beatmaking Volume 1, il y a un fichier XPN. Vous prenez ce fichier et vous le mettez directement dans MPC Essentiel. Voilà. Hop. Et ce qui fait que MPC Essentiel va vous mettre expansion pack import. Donc là, vous n'avez plus qu'à laisser l'importation se faire et ça va installer automatiquement la banque de sons. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je ferme ça. Donc ça va se mettre, là vous avez la petite croix, donc le browser qui est là en temps normal. Vous avez la petite croix, vous cliquez dessus. Là il y a toutes les expansions faites par Akai et vous allez avoir une image avec l'expansion que j'ai créée. Donc comme vous pouvez le voir, dedans il y a 156 programmes et 1237 samples. Donc tout est classé par ordre alphabétique et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur de ce sample et on va faire la démo dans MPC Essentiel comme dans MPC 2.2 Software. Donc hop. Donc là c'est vraiment pour vous montrer vite fait, hein. Il y a des drum kits, il y a pas mal de choses. Donc je vais ouvrir un peu toutes les lettres, parce que c'est classé par ordre alphabétique dans la banque de sons, dans le logiciel. Et donc ça vous fera une très bonne base pour commencer à travailler. Alors l'avantage, je me suis un petit peu pris la tête, après tous les programmes samples ne sont pas parfaits, mais je me suis quand même bien pris la tête pour que vous puissiez, pour que ceux qui travaillent au pad puissent travailler au pad directement, soit avec leur MPD 226, MPD 232, MPD 218, ou alors avec les claviers maîtres Akai, vous pourrez directement bosser avec. Donc les programmes drum, programmes de batterie à proprement parler, ça sera plus simple au pad, bien sûr. Et il y a aussi des programmes key group qui, eux, seront plus à jouer au clavier. Mais il y a aussi des programmes samples avec lesquels vous allez pouvoir jouer directement au clavier. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va se prendre celui-là. Donc là. Des accords. Hein. Hop. Là, si je prends le bedroom kit, ici, ça va être un kit de batterie. Après, ta 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 ta. Acoustique basse par exemple. Hop, je le charge. Donc là, c'est un programme simple, mais. Donc moi, j'ai mon clavier. Jouer donc de la basse. Hop.
Voilà, donc vous avez toutes les notes et tout, hein. Donc c'est pas mal fait. Tout ça, ce sont des kits que j'avais sur MPC 5000, puisque je travaille aussi avec une MPC 5000 hardware. Je les utilisais avec et je les ai transformés pour qu'on puisse les utiliser dans MPC Software. Donc que ça soit le 2.2 comme le MPC essentiel. Donc la chose à savoir, c'est que tous les samples, tous les programmes samples sont bruts. Donc ce qui fait qu'après, rien ne vous empêche d'aller sur votre console. Et de rajouter les effets où vous en avez envie. Clac. Donc ensuite, on va continuer. Par exemple, là, si je me mets ici. Un programme sample avec que des hats. Il y en a d'autres avec que des kits. Il y a aussi des programmes samples de lo-fi. Il y a des scratch. Là, par exemple, on a des programmes. Hop. Bass Moog. Donc il y a plusieurs presets, hein. Et il y en a un sacré paquet. Et il y a même, voilà, par exemple là, comme vous pouvez le voir, c'est un programme K-Group. Je le charge. Et on peut le jouer au clavier comme au pad. Après, on va continuer. Hop. Donc faut vraiment, faudra fouiner hein, dans la banque parce qu'il y a énormément de choses. Par exemple, vous allez dans les S, hop, snare. On a sur combien de pages? Donc là, avec ça, normalement. Hein, il y a de quoi faire. Là. Donc là, je suis sur le clavier, hein. Vraiment, vraiment de quoi faire. Hop, il y a même des petits violons. Donc, par exemple, hop. Donc là, c'est un programme sample.
donc tout ça, c'est en téléchargement, hein, directement sous la vidéo. Vous avez le lien. Donc après, par exemple, hop, ça c'est une basse que j'aime bien. Donc, comme vous pouvez voir, il y a largement de quoi faire. Donc, en tout, dans la banque, comme je disais tout à l'heure, il y a 156 programmes. Donc, programme comme programme sample, drum et programme key group, et 1237 samples. Donc, après, vous pouvez faire votre sauce, recréer des nouveaux programmes, faire tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans MP, comment on installe ça dans MPC 2.2. Hop. Donc surtout, téléchargez bien tout le dossier ABC du beatmaking volume 1. Donc là, pour l'installation, c'est pareil, c'est un peu dans le même genre. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le browser. Moi, par exemple, le dossier, je l'ai mis sur mon bureau, donc je vais aller sur Desktop, ABC du beatmaking volume 1, je rentre, et ici vous avez ABC du beatmaking.xpn. Donc au lieu de le mettre directement dans la fenêtre, bien qu'on puisse essayer pour voir si ça, ce que ça fait, si ça se trouve, ça va marcher exactement comme MPC Essentiel, je le prends, je le mets, voilà, c'est pareil. Donc moi, ça me dit qu'elle est déjà installée, mais normalement, ça va vous faire installer la banque de son. Vous faites OK, importer la banque de son, vous faites OK, et ça va vous l'installer, et ensuite, vous allez la retrouver, comme moi, dans le browser, ici. Hop, donc là, si je redescends, voilà, on a bien les 1237 samples et les 156 programmes. Tac, 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 avec l'ordre alphabétique. Par contre, au niveau de MPC 2.2, l'organisation, elle est un petit peu mieux, puisqu'on peut avoir accès directement à tous les programmes en allant directement là. Hop, voilà, tout ce qu'il y a dedans. Ou sinon, j'appuie sur sample, et là, j'ai tous les samples. Voilà, donc après, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et donc là, pareil, quand vous vous mettez sur programme sample, par exemple là, hop, il suffit de double-cliquer dessus, voilà, et hop, j'ai ma basse. Après, je veux un kit de batterie, par exemple. Là, ça doit être un kit. Faut que je le sélectionne. Mais rien ne vous empêche, par exemple, ce sample-là, de le prendre, puisque c'est un son de basse, et de créer un programme sample à votre sauce en créant un programme key group avec le son de la basse. Après, on va continuer. Par exemple, je vais prendre Furtif Lofi 1.
Hop, je le charge. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Hop. Là, ça, ce sont des petits accords, normalement. Et pareil que dans MPC Essentiel, rien n'empêche après d'aller directement dans votre console, de rajouter les effets sur l'intégralité du programme sample ou en passant, là je ferme ça, ou en passant directement ici par la console des programmes, de mettre un effet sur le sample que vous voulez. Là, c'est à vous de jouer. Hop, par exemple, on va se mettre ça. Donc là, c'est un kit de batterie Vintage 7. Belle. Donc là, par exemple, c'est un programme qui est groupe. Après, il y a des programmes que j'avais mis dans ma toute première petite banque de sons que j'avais fait. Donc là, vous avez les accords de l'époque. Donc après, c'est à vous de créer votre propre progression d'accords. Donc là, par exemple, là, c'est un kit 808. Là, un kit de batterie de la Yamaha Y9000. Il y a du synthé, par exemple là, un petit synthé TB303. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Là, par exemple, un autre programme Key Group, mais cette fois avec directement des violons. Donc il y a des violons, des belles, pizzicato. Voilà, par exemple, j'en parle, il arrive, on va se le charger. Et ça peut vous permettre de faire un morceau sans utiliser énormément de ressources, puisque les programmes samples, ça bouffe presque rien au niveau mémoire, ça bouffe beaucoup moins qu'un VST plugin. Il y a même des sons de Minimoog. Donc
ça vous fait de la matière pour pouvoir faire toutes vos compositions. Tac, tac, tac. Vous avez largement, largement de quoi faire. Là, si on reprend ce kit-là, donc ce sont des accords façon jazzy. Et après, rien ne vous empêche, pareil, vous allez, hop, excusez-moi, c'est ici, dans Programme Edit. Là, je suis en mode polyphonique, mais rien ne m'empêche de me mettre hop en mono. Vous revenez ici. Et là, vous n'avez plus les samples qui se chevauchent. Les programmes, ils sont de base, comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, pour le sauvegarder, il suffit de se mettre dessus, vous cliquez droit avec votre souris, vous faites save et la modification que vous avez apportée sera sauvegardée sur le kit. Bon, après, vous n'avez plus qu'à télécharger et à regarder, hein, parce qu'il y a aussi, par exemple, là, c'est de la gratte. Il y en a, je sais pas combien, on a encore là. Enfin bref. Repasse en banque A. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça va vous être très utile, hein, pour commencer l'été, pouvoir composer. Il y a pas mal de petits trucs assez fun. Et ensuite, à vous de rajouter vos effets et tout ce que vous voulez pour vous créer des kits personnalisés. Et vous pourrez comme ça composer à partir de votre logiciel MPC 2.2 ou MPC Essentiel. Et n'oubliez pas que MPC Essentiel est fait pour marcher directement dans un séquenceur hôte type Ableton, Reason, Cubase. Et ce qui fait que sur chaque instance de MPC, vous pourrez directement mettre un instrument et composer avec, voilà, tout en bénéficiant des effets et de tout l'apport du logiciel MPC Essentiel. Donc, pensez bien à télécharger votre pack. Prenez bien tout le dossier. Donc, c'est un dossier Google Drive. Hein, le lien est directement sous la vidéo. Donc, c'est ABC du Beatmaking volume 1. Et c'est spécialement fait pour MPC 2.2 et MPC Essentiel. Pensez bien à vous abonner, à sélectionner la cloche bleue si vous voulez avoir les notifications de sortie des vidéos. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, soyez nombreux, faites tourner la page si vous avez d'autres amis beatmakers qui viennent chercher leur programme sample. De toute façon, même si vous êtes sur un autre logiciel, rien ne vous empêche de récupérer le pack de samples et d'utiliser les waves à votre guise pour recréer des packs, que ce soit dans Ableton, dans Reason, les mettre dans Kong. Enfin, il y a possibilité de faire plein de choses. Donc, téléchargez tout ça. Il y a différents packs, différents liens sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut!